Yo tout le monde, c'est Mister Day, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui une vidéo spéciale que j'ai toujours rêvé de sortir les gars. Vous avez vu au titre, certes je les ai pas encore. C'est une vidéo pour les 100 abonnés qui vont arriver très bientôt. Vous êtes 96 exactement alors que je vous parle. Excusez-moi. Et aujourd'hui ça va être une vidéo assez longue où je vais parler de tout, mais vraiment tout ce que je fais de mes journées, etc. À propos de YouTube, toujours. Tout ce que j'ai pu faire pour ma chaîne, tout ce que je fais en général. Et bien sûr aussi, l'avenir de la chaîne et toutes les vidéos qui vont arriver, les nouveaux trucs que je vais lancer. Excusez-moi. Et les vidéos sans abonnés, bien sûr, qui vont arriver. Et d'ailleurs, dès le début, je tiens à le dire, une FAQ va arriver pour les 100 abonnés. Je me suis toujours dit en me lançant sur YouTube, si j'ai un nombre genre 100 abonnés, 1000 abonnés, un truc comme ça, c'est là que je ferai une FAQ. Je vais pas faire une FAQ 100, 200, 300, 400. Je vois tellement de mecs qui font ça. Ça sert à rien, les gars, on se le dit, ça sert à rien, les gars. Hein. Au pire, t'as 200 abonnés, moi, c'est ce que je pense que je vais faire. Genre, je leur dirai, n'hésitez pas à aller voir la vidéo FAQ que j'ai fait pour mes 100, etc. Voilà, basta, les gars. Bon, malheureusement pour moi, je suis qu'à 100, donc c'est c'est maintenant que je fais la FAQ, tu vois. Mais voilà. Ce sera une vidéo assez longue, je vous l'ai dit. Simplement, je vais démarrer par le début. Simplement, quand j'ai lancé ma chaîne, j'imaginais pas à quel point... Comment vous dire? Je sais pas comment vous dire, parce que vraiment, tu vois, il y a des youtubeurs et tout, ils ont 1 million d'abonnés, ils font... Oh, quand je m'en suis lancé sur YouTube, jamais j'aurais imaginé avoir autant d'abonnés, quoi. Attends, je suis une star maintenant. Jamais, les gars, j'aurais imaginé que ma chaîne aurait autant bide, les gars. Non, jamais, excusez-moi, jamais j'aurais imaginé que ma chaîne, les gars, aurait été aussi, comment dire, aussi merdique. Enfin, c'est pas une chaîne de merde, c'est pas ça que je veux dire. Enfin, je vais pas vous mentir qu'au début j'ai une communauté de merde, les gars. Heureusement, en ce moment, voilà, ça commence à me sourire. Vraiment, depuis 2-3 mois, là, je commence à avoir une vraie communauté. Depuis que j'ai dépassé les 50 abonnés, ça commence un petit peu. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment des vrais mecs, tu vois, des mecs que je connais pas, tu vois, qui viennent s'abonner à ma chaîne. Parce qu'avant, tu vois, j'avais 18 abonnés pendant 5 mois, je crois. C'était les potes, hein, la cousine, la tata, la machine, ta soeur, ton frère, ton chien, j'en sais rien. Mais voilà, c'était pas les mecs que je connaissais pas, tu vois. Et ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, bah, ce soit des mecs qui me connaissent pas, qui me suivent, les gars. Et voilà, rien que ça me fait plaisir, les gars. Alors certes, j'ai pas encore les 100 abonnés, mais vraiment, j'avais le temps aujourd'hui de faire une vidéo. Simplement parce que je suis la chiasse. D'accord. Non, aujourd'hui, j'étais malade, donc... Encore une fois, oui. Là, ça n'a rien à voir avec la gorge. Ah non, mais moi, tu vois, c'est soit je suis malade 3 semaines, enfin, la même semaine, et après, je suis pas malade pendant 4 mois, enfin, je sais pas pourquoi. Voilà, ça, c'est le résumé de ma vie. Mais voilà, ce soir, ça va un peu mieux, donc je me suis dit, je vais faire un commentaire, etc. D'ailleurs, les gameplays, je sais pas du tout ce que ça va être, les gars. Donc voilà. Au début, je savais pas, tu vois, que ma chaîne allait aussi autant bide. Et franchement, ça va paraître chelou, tu vois, mais j'ai des... J'ai une meuf dans ma classe. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elle me faisait chier. Ouais, elle me fait chier encore. A chaque fois, les gars, elle soutait ma gueule parce que tu sais, j'avais 18 abonnés. D'ailleurs, dédicace à Vincent qui a balancé ma chaîne. Donc, et. Comment dire, à chaque fois, elle soutait ma gueule, tu vois. Mais des fois, elle disait que ouais, je me suis bien marié, machin. Bon, aujourd'hui, elle regarde plus trop mes vidéos. Même jamais, je crois, mais voilà. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, salut à toi, Maël. Dédicace. Donc, voilà. Et encore aujourd'hui, elle se fout beaucoup de ma gueule, tu vois. Mais après, moi, je fais ça à la rigolade. Et je pense que. Ah, si elle dit ça, c'est pour la rigolade aussi. Enfin, j'espère. Et voilà, ça me motivait, tu vois, à faire mieux, tu vois. Ça, c'est vrai que ça m'a motivé, les gars. Je vais pas vous mentir, même si c'est un peu de la merde, tu vois. Mais ça me motivait, les gars. Et aujourd'hui, tu vas te dire, ouais, 100 abonnés, c'est que dalle. Ouais, mais moi, les gars, c'est pour moi, c'est ça a été une bataille, les gars. Mais ça a été une guerre, les gars. Limite, ça a été... Je pense,
Je suis le youtubeur qui a eu le plus de mal à avoir les 100 abonnés. Et aujourd'hui, tu vois, je vois les mecs qui s'abonnent, tu vois, je vois, tu sais, je reçois des notifications à chaque fois qu'il y a des mecs qui s'abonnent. Des fois, j'en vois 3 par jour, des fois, j'en vois que 1. J'ai jamais un jour, les gars, où j'ai aucun abonné qui. Enfin, aucun nouveau mec abonné, les gars. Ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Ça montre que, bah, YouTube, tu vois, c'est très dur de percer. On me l'a. Dès que je me suis lancé, j'entendais déjà des gros youtubeurs dire ouais, c'est très dur de percer maintenant. C'est vrai, les gars, c'est extrêmement dur. Mais ça prouve quand même que si tu te bats, tu peux percer. J'ai pas percé, les gars, j'en suis très très loin même. C'est une chaîne encore inconnue par des potes. Enfin, c'est vraiment une chaîne de merde encore. C'est une nano-communauté que j'ai. Mais ça prouve, tu vois, que quand t'as passé le plus dur, enfin, c'est des étapes, tu vois. Au début, t'as personne. Tu vas te battre, tu vas te battre. Au bout d'un moment, tu auras 50 abonnés. Ça va bloquer. Tu vas te battre. 100 abonnés. Là, je vais me battre encore. Je vais continuer, les gars. Et dès que je sais, les gars, que si un jour j'arrive aux 1000 abonnés, c'est plus. Même si je pense jamais y arriver, hein, je vous le dis d'avance. Hein, ça va être très. Mais quand je vous dis très dur, c'est incroyablement dur. Que après, quand tu as dépassé les 1000 abonnés, c'est pas. C'est pas. Comment te dire. Comme quand t'as 100 abonnés. Quand t'as 100 abonnés, il faut que tu continues. Parce que ça t'as à peine commencé. 1000 abonnés, tu vois, t'as une communauté. Alors, soit t'as une bonne communauté, soit t'as une mauvaise communauté. Et malheureusement, en fait, ça dépend juste de ta communauté si tu veux passer aux 10 000, etc. Moi, c'est comme ça que je vois YouTube, les gars. Et tout simplement, je pense avoir une très bonne. Enfin, les nouveaux abonnés sont des. Comment vous dire? Vous qui me regardez, les nouveaux abonnés, voilà. Je pense que si vous étiez, il y aurait des clones de vous, j'aurais une très bonne communauté, les gars. Malheureusement, il y en a très peu, les gars, parce que j'ai énormément de mecs inactifs, évidemment, en un an, les gars, vous imaginez. Mais voilà, hein. Chacun, voilà. Hein. Après, tu vois, t'as d'autres mecs qui ont d'autres solutions pour gagner des abonnés. Notamment un de mes potes qui est sous beaucoup de ma gueule, parce que lui, il a commencé YouTube il y a 2-3 mois. Il a 200 abonnés. Et oui, Hervé. Oui, Hervé. Moi, j'ai 100 abonnés en un an et un mois. Et oui, je suis précis parce qu'il y a un mois, j'ai fait ma vidéo spéciale. Mon live spécial un an. Et donc, il saoule beaucoup de ma gueule. À propos de ça. Et souvent, je dis des trucs genre je suis moche, etc. Les gars. Faut prendre ça à la rigolade, hein, ceux qui me connaissent vraiment, tu vois. Parce qu'il y en a. Aucun second degré, et je me demande franchement, ça c'est leur vie quoi. Ouais, voilà, j'avais sorti une fois dans une vidéo que j'allais jamais faire de facecam parce que j'étais trop moche, enfin, ouais, un truc comme ça. Prenez-le au second degré, moi intérieurement, je me sens beau, tu vois. Bon, j'ai fait quelques pubs, quelques placements de produits aussi, durant des campagnes publicitaires, mais c'est un détail, tu vois, mais. Voilà. Franchement, prenez tout ce que je dis au second degré parce que sinon, vous irez pas loin. Hein. Ah, si je vous dis des choses, mon gars, qui me partent en couille, vous n'allez pas comprendre. Mais faut comprendre, faut suivre. Hein, parce que tu vois, là tu parles doucement, je parle pas très très vite non plus. Bon, je suis pas Kevin du Rire Jaune non plus, tu vois, je parle pas comme ça, donc voilà. Mais voilà, faut suivre. Voilà. Voilà, c'est tout! Donc voilà, lui, ce qu'il fait sur sa chaîne, les gars, d'ailleurs là, ça va être vraiment un peu plus sérieux. Parce que vraiment, il y en a. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on me dit dans les commentaires, etc. Ça, je vais pas dire ça me touche beaucoup, tu vois. Mais quand je vois rien qu'un GG, putain, ça me donne envie de continuer, tu vois. Parce que franchement, je sais pas si vous imaginez, mais là je vais devenir vraiment sérieux, les gars. Le travail qu'est une vidéo, les gars. Enfin, une vidéo pour la mienne, en tout cas. Je vous explique à peu près. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là ça va être très long. Voilà, 5 minutes d'explication, moi. Donc, tout simplement, il y a le temps que tu sors le gameplay. Tu joues, etc. On va dire, moi maintenant, je vous l'ai dit, je garde toutes les implacables. À partir d'implacables, par exemple, sur Black Ops 3, je garde une demi-heure. Franchement, une demi-heure, c'est fait. Sur tous les Call of, une demi-heure, j'ai le gameplay. Ok. Donc, t'as joué une demi-heure. T'as le gameplay. Donc, déjà, t'as 30 minutes. Et pour faire une vidéo, ça compte dans la vidéo, excusez-moi, mais voilà. Où tu te bats vraiment, parce que vraiment, si je joue un max, c'est pour YouTube en ce moment. Voilà. On pourra enlever la demi-heure si vous voulez, voilà. On va dire qu'on l'enlève, on est d'accord. Ensuite, faut le récupérer quand c'est sur PS4, hein, je parle. Faut le récupérer du bouton cher, les gars. Désolé, je mange en même temps, tu vois, j'ai la dalle.
Faut récupérer du bouton cher. Donc, le temps du gameplay, 10 minutes. Ok, mais pour une vidéo, les gars, dites-vous bien. Alors, quand j'ai joué tout le week-end, il y a en moins de 2 heures, les gars, où je récupère les gameplays. Donc, voilà, imaginez-vous. Donc, t'as 10 minutes, on va dire. 10... Mais ouais, 10 minutes. Alors, je vous arrondis un peu déjà. Ensuite, t'as le moment où je dois re-regarder gameplay, faire des petits trucs, des saccadés, enfin, les saccadés à la fin, au début, etc. Bon, ça aussi, 10 minutes, pareil, 20 minutes, allez. Après, il y a le moment où je vais l'upload. L'upload, chez moi, ça dure... Et attention, mais vraiment accrochez-vous bien, 2h30 pour une vidéo de 10 minutes. 2h30 pour une vidéo de 10 minutes. Donc, on va arrondir, on n'en va pas arrondir parce que sinon il y aura les rageux. Non, j'ai... Donc, 2h50. Une vidéo tous les jours, les gars, n'oubliez pas ça. 2h50. Miniature, faut que je fasse la miniature. Alors, n'oubliez pas, je vais vous avouer, les miniatures, c'est pas moi qui les fais, les gars. Je les prends sur internet, je les télécharge, et après je modifie 2-3 trucs, l'écriture, etc. Donc ça dure 10 minutes ça, donc voilà, t'as 3 heures. C'est vrai que je fais pas mes miniatures, mais imaginez le temps que je mettrais à faire toutes mes miniatures tous les jours. Parce que Skyrose, par exemple, prendre un exemple, passe à peu près, hein. Franchement, je suis sûr que ça sera à peu près ça. Autant de temps que moi à faire une vidéo. Tout simplement parce que lui, il tente pas les gameplays, tu vois. Il a fait une headshot biatch, etc. Voilà, bon, une heure max, c'est fait, tu vois. Alors que moi, voilà, je me bats pour un gameplay, si tu vois ce que je veux dire. Alors, voilà, tu vois, lui, il a pas besoin de geeker comme un gros porc pendant tout le week-end, tu vois, pour faire un gameplay. Lui, il joue une heure par jour, tranquillement, et c'est au calme. Et lui, il faut pas oublier qu'il a pas d'autres trucs à faire. Moi, faut que j'aille en cours, les gars. Faut pas oublier ça. Donc, approximativement, je veux dire qu'il met 4 heures à faire une vidéo. Donc voilà, ça va, pour quelqu'un qui fait que ça, les gars. Alors moi, j'ai cours, je finis à 17h, comme aujourd'hui, normalement, s'il n'y avait pas de prof absent et que j'étais pas malade, j'aurais fini à 17h. Oh, les gars, 17h, les gars, je finis. Allez, je rentre chez moi à 17h30, je fais vite fait mes devoirs, parce que, ouais, grâce à YouTube, je fais vite fait mes devoirs. Bon, même si j'aurais pas eu YouTube, j'aurais vite fait mes devoirs. Mais bref, donc on va dire 18h, tu vois. Les gars, à 22h, j'ai fini. J'ai envie de regarder le film. Un petit film le soir. La télé allumée. Bah la co elle est moins bonne. Du coup c'est plus long et plus lourd. Une heure de plus les gars. 23h. Faut que je regarde des vidéos sur YouTube quand j'aurai fini du plus lourd. M'informer sur Twitter pour la vidéo le lendemain s'il y a une annonce à faire. Minuit les gars. Tous les soirs je me couche à minuit. Il y a 2 ans les gars quand il y a mon... Je la vis de ma mère. Là vraiment je vous parle sérieusement. Quand il y a mon cousin. Il disait ouais je me suis couché à minuit. Je suis complètement claqué. Non mais un exemple tu vois. Un pote ou autre comme ça. Je faisais putain une minute, t'es sérieux gros? Mais aujourd'hui je me couche à des fois je me couche à 2h du mat les gars. Pour trier les gameplays sur 10. J'en reviens d'ailleurs au truc. Donc voilà, on était à 2h50. Maintenant, faut que j'aille sur l'ordi. Enfin, qu'est-ce que... Non, je suis perdu là. Oui, 2h50, l'upload. Avec l'upload, etc. La miniature. Donc faut, après, faut que j'écrive les trucs. Donc 3h, c'est à peu près ça. 3h par jour. Et là où ça se compite, justement, c'est là que je reviens au truc. C'est quand le gameplay est sur la PS3. Faut que je le fasse, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que j'enregistre tout ce que je fais sur la PS4, sur la PS3 pardon, tout ce que je fais. Donc c'est à dire que quand je joue pendant 2 heures d'affilée, il y a la Vermedia qui a tourné 2 heures d'affilée. Donc déjà, là t'as 2 heures. Bon, on va dire que c'était du plaisir, donc on compte pas, ok. Pardon. Voilà. Excusez-moi. Donc ensuite, faut que l'ordi reconnaisse le retélécharge un petit peu, je sais plus, enfin je sais pas, il fait une reconnaissance de ton gameplay de 2 heures. Que t'as enregistré avec l'Avant Media. Ça dure pour 2 heures 30 minutes. Et oui, c'est très long les gars. Putain, il y a un hockey qui va sortir, je le sens, un rototo. Donc voilà, t'as 30 minutes. Et donc après bon, faut pas que le gameplay de... Normalement, les gameplays datent pas d'il y a pas trop longtemps, genre 2 jours, 3 jours max. Donc, je sais à peu près ce que j'ai fait dans une partie, etc. Donc, le temps que je recherche la partie, etc. 15 minutes sur un truc de 2 heures, ok. Que je trouve le gameplay, que je décortique, etc. 45 minutes, ok. Pour un gameplay, on y est même pas. L'upload, ok. C'est un gameplay, 10 minutes. Donc, 2h30 d'upload. Vu qu'il y a une belle connexion, on va dire que je regarde pas le film du soir. Donc, 2 heures, on va dire, allez, on allons 2 heures. 2h15. Donc, on est déjà à 3 heures, les gars. Miniature, écriture, machin, tout ce que je vous ai expliqué, on est à 3h30. Alors maintenant, j'en reviens à mon pote qui a 200 abonnés, qui est sous de ma gueule. Il fait des intros sur sa chaîne. Le jour, quand je lui ai demandé, il m'a demandé si je voulais, et s'il voulait que je fasse son intro. S'il voulait qu'il me fasse mon intro, je... Oui, ça. J'ai dit oui. Au bout de 20 minutes, il m'a donné l'intro.
Donc 20 minutes pour l'intro. Aucune miniature, il fait pas de miniature. Mais le titre, etc. Les gars, vous avez bien entendu ? Avec l'écriture, etc. Titre, machin, etc. 25 minutes pour faire une vidéo. L'upload, allez, l'upload, on rajoute 5 minutes parce que c'est des 30, maximum 30 secondes, tu vois. 30 minutes faire une vidéo. 200 abonnés. Et aujourd'hui, il décourage sur YouTube parce que j'ai pas vu de ses vidéos depuis 2 semaines bientôt. Aucune vidéo depuis 2 semaines, inactivité totale. Les gars, là, sauf pendant les grandes vacances, j'ai toujours été actif sur ma chaîne. Et oui, sauf un mois d'inactivité, mais j'étais en vacances, j'avais pas internet. Bon voilà, ça m'excuse un petit peu. Non, même pas un mois, 2-3 semaines. Pour vous dire, les gars, c'est très dur YouTube. Donc voilà. Donc j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Maintenant, c'est pas fini encore, mais voilà. Les gameplays, je vous dis, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Je vais pas non plus mettre des gros gameplays parce que faut que je les garde un peu, tu vois. Donc voilà, c'était pour ma petite histoire. Donc aujourd'hui, je suis à 100 abonnés. C'est pour vous, c'est pour quelques-uns d'entre vous, c'est pas énorme. Pour moi, c'est déjà pas mal. En fait, quand je me dis que j'ai 100 abonnés, je m'imagine les 100 personnes devant moi et je me dis ah ouais, quand même. Ça en fait du monde, les gars. Ça en fait du monde. Et franchement, voilà. Après, il y a des mecs qui s'abonnent et après ils parlent de mes vidéos, ils mettent juste en commentaire. Enfin, ils s'abonnent, ils se partent, ils font viens voir ma chaîne, je fais ça, abonne-toi et reste actif s'il te plaît. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mecs qui s'abonnent à ma chaîne, même il y a un mec qui s'est abonné hier, j'ai répondu, etc. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à aller dans une de tes vidéos, j'ai laissé un commentaire. Car oui, les gars, tous ceux qui s'abonnent. Pour l'instant, je fais ça parce que voilà, j'ai le temps, etc. Comme je vous l'ai dit, je fais des petits tours sur YouTube de temps en temps. Je regarde leur chaîne, voir ce qu'ils font, etc. Si ça m'intéresse, je m'abonne. Si ça m'intéresse pas, je m'abonne pas. C'est simple, les gars. Hein. Voilà, c'est tout. En général, je vais voir une vidéo quand même. Tu vois, je laisse un commentaire, etc. Donc, je vais essayer de faire ça, tu vois, pour les 100 abonnés. Ah putain, les gars, ça fait mal. Ouais, j'ai un peu mal, les gars. Donc voilà. N'hésitez pas, hein. Voilà, ça sert à rien les gars, je vois des mecs qui mettent ça, mais ça sert à rien les gars. Au contraire, il y a un mec qui m'a mis ça en commentaire et allez, une semaine max. Tu sais ce que j'ai répondu? Il m'a dit GG, etc, continue. Après il a mis n'hésite pas à aller voir ma chaîne, etc, je fais ça. Je lui ai fait ok, merci mec. Je lui ai pas dit ok, je vais aller voir si tu veux. J'ai fait ça au début les gars, pour 2-3 personnes. J'ai plus jamais refait ça, ah non, hein, bah, voilà, j'ai pas gâché ma vie non plus. Hein. Là, voilà, hein. T'as essayé de faire la bâtard avec moi, c'est comme les mecs qui mettent des trucs comme ça sur la chaîne de Skyrose, etc. Je dislike le commentaire, va te faire foutre. Hein. J'aime pas, franchement, c'est un truc que je déteste, c'est les mecs. En fait, c'est même plus de la pub à ce moment-là, c'est du susboutage. Je sais pas si on pourrait s'appeler ça comme ça. Enfin, ouais, je vais quand même activer parce que vraiment, j'ai pas envie de passer 5 heures du plot ce soir. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour la petite histoire. Voilà. N'hésitez pas donc aussi à me demander un ami parce que je vais faire du groupe de 6. Donc n'hésitez pas, les gars, à me demander un ami sur PSN. Et c'est ne mettez pas en commentaire voici mon blaze, ajoute-moi. Il y a un mec, il y a la semaine dernière, je crois, oui, il m'avait fait ça. Bon, ça va, j'ai que 100 abonnés, mais si un jour j'ai beaucoup plus. Si tout le monde fait ça, on est mal barré, les gars. Mais moi, j'ai pu passer une heure à jouer, je vais passer une heure à vous ajouter un ami. Non, c'est plus simple, c'est que ce soit vous qui me demandez un ami. Vous inquiétez pas, j'accepte tout. Voilà, y a aucun problème. Au pire, si t'as pas confiance, tu mets en message, je suis abonné à ta chaîne, machin. Ok, bah c'est tout, les gars. T'inquiète pas, je t'accepterai. Donc voilà, bientôt sur ma chaîne, un tuto nucléaire pour les 100 abonnés. Donc voilà, je vous dis un peu ce qui va arriver. Des tutos, un tuto nucléaire qui va arriver. Je suis pas un spécialiste de la nuque. Un tuto kill chain aussi. Par contre, là, vraiment, je pense que voilà, j'ai quand même pas mal d'expérience en kill chain. Des malheureuses aussi, hein. Pas mal d'extermination, malheureusement. Voilà. Excuse-moi. Parce que je sais qu'il y en a, ils visent le truc spécial, enfin. Un truc spécial, tu sais, t'as réalisé tous les trucs experts, t'as une carte d'agent super rare, vraiment, il y en a très peu dans le monde qui l'ont, ça je sais. Voilà, et des fois, il y a des mecs qui galèrent à avoir la kill chain.
Vous inquiétez pas, je vous donnerai des conseils là-dessus. Et là où je pense vous êtes le plus utile, ce sera un tuto. Oula, mon ordi il est un peu bug. Un tuto spawn kill, les gars, sur toutes les maps. Genre, je ferai un truc pour toutes les maps, les gars, tout simplement. De Black Ops 2, Black Ops 3, excusez-moi. Ouh. Donc voilà, et tuto spawn kill, ce sera pas du spawn kill pour le groupe de 6. Voilà, je fais pas ça moi. Non, non. Moi je vais faire du groupe de 6 parce que j'ai pas le temps de jouer, les gars. Et j'ai envie de sortir du gameplay, surtout j'en ai marre, voilà. J'ai fait. Vraiment, j'ai 8 heures de jeu, 8 jours de jeu, pardon, juste en solo et en groupe de 2. Bon, c'est bon, les gars. J'ai envie de tenter un peu support. J'ai vu tellement de personnes en faire. On va faire ça, on va tester un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bah voilà, si vous voulez en faire, n'hésitez pas à venir à me demander un ami. Tout le monde sera gagnant, vous ferez des nucléaires. J'ai des nucléaires sur ma chaîne en groupe de 6, ça se voit pas peut-être. Hein. Enfin, normalement, ça se voit quand même. Je suis dans les bacs, hein, je suis pas dans les spawns, vous voyez, je fais des nucléaires, voilà, ça c'est sympa. On se marre, on se marre. Ça dépend avec quel mec, voilà. Avec moi, vous inquiétez pas, on va se marrer. Hein. J'ai pas envie de tenter les triples nucléaires, c'est juste pour, voilà, sortir quelques nucléaires pour mettre en vidéo, etc. J'ai pas envie, voilà, de. Parce que vraiment. Mettre des implacables, c'est sympa, mais voilà, ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Même si c'est du nucléaire en groupe de 6, ça vous proposer, ça me va. Quand ça sera des grosses vidéos très importantes, je vous mettrai des nucléaires solo, voilà. J'en ai encore énormément, j'ai un mois de vidéos en stock, mais j'ai envie de quand même de voilà, préparer. Parce qu'il faut préparer les grandes vacances qui arrivent, les gars, je vous ai promis d'être actif un minimum, au moins 2 vidéos par semaine. Donc voilà, les best-of, vraiment, j'ai déjà énormément de clips. D'ailleurs, vous allez voir que je vais vous spoiler un peu, même si la vidéo sortira sûrement vers le mois de juin, vu que j'ai pas mal en stock. J'ai réalisé ma première 5 OS sur Call of, les gars. Bon voilà, je vous spoilerai pas. Plus que ça, excusez-moi. Ouh. En plus, un Call of, voilà, qui est pas trop vu. Donc voilà, les gars. Oula, l'ordi. Attendez. J'espère que vous m'entendrez bien, ça va pas bugger au niveau du son. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais prévu de. Ah oui. Une nouvelle série que je vais amener sur ma chaîne. Ce sera un roi tout killcam. Donc ce sera des killcam en mêlée générale. Il y aura du across de map. Il y aura du trickshot across de map. Il y aura du trickshot H de combat, etc. Et il y aura du trickshot sniper, la classique, tu vois. Et des trucs un peu stylés, tu vois. Donc je pense vous faire ça. Et peut-être. J'ai bien peut-être, parce que j'ai pas envie de me faire que du fun non plus sur ma chaîne. Ça reste une chaîne assez diversifiée sur Call of. Il y aura des infos, des news, tout simple, comme d'habitude. Des fois de la perf, des fois des best-of. Et donc, best-of, c'est un peu du fun aussi. Hein. Et donc, des héros à tout kill cam. Et des défis, normalement, qui devraient partir bientôt. Je vais peut-être recommencer les défis. Des défis en partie personnalisés, principalement. Il y a un défi que je me suis toujours lancé, enfin je me suis toujours dit que j'allais le tester, ou ce sera aussi des tests, etc. Je pensais faire ça. Donc déjà, rentrer une quad d'une balle contre les bots. Ça, ouais, une quad d'une balle contre les bots au sniper, j'ai toujours rêvé de faire ça. J'en ai des triples, bon ça c'est un peu normal, tu vois, mais des quad d'une balle contre les bots, j'en ai très peu. Je crois que j'en ai fait que une, mais j'étais chez mes grands-parents, donc j'avais pas internet. Donc voilà, je pouvais pas enregistrer avec le bouton share, parce que ça marche pas sans internet, donc c'est un peu con. Et donc voilà, et comment dire... Et donc je me suis toujours dit que peut-être je ferais un truc, genre sur tous les Call of. Je tenterai par exemple faire voir à vos abonnés est-ce que c'est possible de rentrer une triple... pas une triple, qu'est-ce que je dis ? Une 6... Voilà, faut être en groupe de 6 quand même, tu vois. Une 6, une balle au locus, une 6, une balle au SVG, etc. Alors, vous inquiétez pas, ce sera pas en, parce que je sais qu'il y a des mecs qui font ça, c'est très très sale, vraiment. Vraiment, limite, je peux faire un coup de gueule là-dessus. C'est des mecs qui envoient des vidéos à Skyrose, par exemple, Top 10 Sniper, et en fait, ils organisent. Toi, tu vas là à ce moment-là. De toute façon, les gars, ça se verra, les gars. Je vais parler avec mes tots, on sera en live, les gars, tout simplement. Je vous ferai voir comment ils sont alignés, etc. Je vais tirer en phase 2, tu vois. Vraiment, le truc organisé normalement, tu vois, ça sera pas un truc. Je vais arriver. Alors là, je vais arriver des marches, et là, je vais. Boum! Triple headshot et tout, Skyro, j'arrive, ouais, négro! Non, là, je suis pas un bâtard non plus. Donc voilà, je ferai comme ça, tu vois, pour vous faire voir un peu. Parce que voilà, franchement, il y a des mecs qui mettent ça, c'est tellement sale. Enfin voilà, les gars, c'est la vie, hein. Mais moi, je vous ferai des tests comme ça. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dès maintenant, vraiment dans les commentaires, je vous attends dans cette vidéo. Simplement, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera pas mal. Je ferai sûrement une vidéo peut-être un peu plus courte un jour, voilà, pour résumer un truc, parce que ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui soient jusque là.
Donc n'hésitez pas déjà dès maintenant à me poser des questions pour la FAQ qui va arriver. Je ferai pas en face live non plus, mais je ferai sûrement la FAQ avec mon cousin qui va arriver la semaine prochaine. Voilà, je ferai peut-être la vidéo où j'aurai à peine 100 abonnés, 98, 99, j'en sais rien les gars. J'avais envie de la faire avec lui, donc voilà, ce sera pas en face live. Hein. Je sais, oui, parce que je suis moche. Tadata, ouais, qu'est-ce qu'on se marre et tout. Donc, voilà, c'est pour le troll, hein, tu sais, pour la familia. Donc, voilà, pas grand-chose d'autre à dire, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour la FAQ. Vous pouvez en poser 50, hein, même si voilà, il y a Vincent, il a envie de poser 600 questions, tu poses 600 questions, il n'y a aucun problème, parce que 100 abonnés, il n'y a que 5 abonnés actifs, on aura que 5 questions, ça risque d'être court, tu vois. Donc n'hésitez pas à me poser plusieurs questions, des trolls, des vidéos, des questions assez sérieuses, tu vois. Enfin voilà, tout ce que vous voulez sur ma vie, etc., mon prénom, mon nom de famille, la carte postale, mon adresse, le numéro de l'alarme, ainsi que le code de l'alarme, le numéro de carte bleue, le code de la carte bleue, tout ce que vous voulez, les gars. Pour les défis, qu'est-ce que vous voulez voir, tout simplement. N'hésitez pas dès maintenant à lancer vos défis. Ce sera plus les défis de MW... Comment il s'appelle ? MW, il n'y avait pas les bots encore. On va dire BO1. BO1. N'hésitez pas à me poser plusieurs défis, comme ça vous aurez plus de chances d'être pris, parce qu'il y a des défis peut-être impossibles, etc. Donc de BO1 à Black Ops 3, simplement, n'hésitez pas à me lancer des défis. Donc je vais vous citer les Call of. Parce que MW3, il n'y avait pas les bots, si je dis pas de conneries. Posez-moi sur MW3 si vous voulez. Donc BO1, MW3, Black Ops 2, Ghost Advanced Warfare et Black Ops 3. N'hésitez pas à me poser des questions dès maintenant. Le commentaire a été très long, les gars. J'ai mal à la tête de faire le commentaire 30 minutes, les gars. Je vais boire, les gars, surtout. Donc voilà, après, ce sera tout. Les rois de tout qui le calme, je vais les tenter sûrement à partir de demain, parce que demain, je suis en vacances, les gars. Donc voilà, je ferai une vidéo aussi spéciale, je pense, juste avec mon cousin. On va parler de Bayern, BFK et de Paris, Manchester City qui se sont passés. Lui, supporter du BFK, va donner son avis sur le BFK. Et sur BFK. BFK. L'accent portugais, tu vois. Buto caray. Et moi, je vais donner mon avis sur le PSG. Bref. Vous aurez compris, ça risque d'être assez marrant. Donc voilà, les gars, merci à vous pour les 100 abonnés. Je les ai pas encore. Tu les as pas encore. Peut-être que je vais me désabonner. Chier. Je suis dans des délires, les gars. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Mister Deck. Et...